le désert d'Ouskaran au Pérou, la Nouvelle-Zélande et ses étendues à perte de vue, les cascades du Mékong au Laos. Sur leur vélo, ça va, Eddie. Anya et Romain sillonnent le monde. Hello, ça va, Eddie. Partie de Dordogne en avril 2018, de nouveaux horizons. Le couple débute son périple en Europe, Italie, Slovénie, Croatie. La liste est longue avant d'atteindre leur première étape, la Russie, pour la Coupe du Monde de football. Avec le parcours qu'on connaît pour l'équipe de France, et on a suivi ça, on avait pris un match, on avait acheté des billets pour le match de France-Argentine, on était dans le stade et là on a trouvé ça tellement dingue qu'on s'est dit, maintenant qu'on est là, on va jusqu'à la fin du parcours de l'équipe de France, on les suit de ville en ville. Un concentré d'émotions et des difficultés aussi, notamment en Amérique du Sud où ils sont restés 4 mois, la Bolivie, étape charnière de leur voyage. En fait, on a dépassé nos limites, on est monté à quasiment 5000 mètres d'altitude à vélo, on a dormi à moins 10 degrés, ou plus, moins de moins 10 degrés, on a vécu en autonomie, c'est-à-dire sans personne quasiment sur 2 semaines. Un parcours éprouvant, de quoi s'impressionner l'un et l'autre. L'occasion aussi de sceller leur amour et leurs 7 ans de vie commune. En plein désert de sel, une étape que j'attendais en fait, que j'attendais le plus. Et là, il m'a fait sa demande en mariage sur cette étape-là. Ça, c'était un moment magnifique. Dernier continent à découvrir, l'Asie. Après le Vietnam, le Laos et le Cambodge, cap sur la Thaïlande, l'ultime étape de leur tour du monde.